Alors bonjour Hassan, merci Bonjour. beaucoup d'avoir répondu positivement à la demande d'interview pour le blog Les Bienfaits de l'art. Voilà, je vous ai rencontré lors d'un événement qui avait eu lieu au centre Tao avec Paul Charroy et Manu Risselard et la Hutao Team, où vous calligraphiez en direct les mouvements de Hutao. Donc j'ai un souvenir évidemment qui restera jamais dans mon esprit. C'était très fort ce moment. Et voilà, je voulais vous dire que toute la Hutao Team vous dit aussi bonjour aujourd'hui. De ma part aussi, merci beaucoup. Nous mettrons en lien votre site pour vraiment faire bénéficier aux gens cette grande chance de venir vous rencontrer dans Merci. l'atelier. C'est pas tout le monde et c'est très généreux de De toute votre part. façon, moi je trouve que les artistes, ils devront approcher des gens dans la cité, c'est normal. Qu'est-ce que c'est l'art? Qu'est-ce que c'est les matières, l'espace? Surtout dans la calligraphie, il y a des éléments quand même simplifiés, les gestes. Les gestes doivent être chargés d'énergie. L'habit de couleur qu'on va le mettre, il doit évoquer une sensation, parce que c'est des matières vivantes. Je prépare moi-même mes encres, comme la cuisine à la maison. Et donc, ici, c'est un outil de travail, on peut dire. Alors nous allons regarder ça d'un peu plus près. Vous avez sélectionné quatre œuvres, quatre calligraphies pour aborder les bienfaits de l'art, un sujet vaste. Mais déjà moi d'emblée, lorsque je regarde vos calligraphies, elles me font du bien. Donc déjà il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau de mon sentiment. Il y a une vibration effectivement qui de suite vient parler au-delà des mots. Pourtant, je remarque que chaque calligraphie, ou la plupart des calligraphies, ont une citation. Donc nous allons creuser un petit peu le sujet et nous allons commencer par cette première calligraphie. زدني بفرط الحب فيك تحيرا. Rends-moi toujours plus stupéfait de l'excès de Par mon l'excès amour d'amour, oui. pour toi. C'est très difficile de traduire un poème. Quand je vous ai entendu, j'ai l'impression que C'était pas ça. c'était pas 5 mots, mais les mots, ils n'existent pas les mêmes en En français. français. Comme c'est une phrase qui est positive, alors j'ai essayé de faire les verticales et l'horizontale. Ils sont calmes, ils ne se bagarrent pas. Et puis en même temps, j'ai amené de ma part comme peintre les couleurs. Par exemple, ici, il y a 3 pigments différents. Un qui donne le cobalt. Et pour celui qui est un peu chaud, il y a un turquoise. Et puis celle qui donne les limites, là, c'est bleu de Prusse, qui est très bleu, très très foncé. Et avant qu'il se mélange les couleurs, j'ai fait mes gestes rapides. Et c'est ça, dans la calligraphie, on doit apprendre à aller vite, mais s'arrêter. Et repartir encore, à condition que finalement on termine par des rythmes qui se rassemblent. Toutes ces lignes-là, des fois, ils peuvent s'affronter, ils peuvent aller ensemble. Et puis, il y a une ascension vers le haut et une ouverture sur les deux côtés. Bon, moi, quand je travaille, je pense à rien. Je me laisse aller avec mes sensations, le corps qui va, surtout quand on va vite, on n'a pas le temps de réfléchir comment on fait. Souvent, on ne passe pas par le cerveau. On a les mêmes informations, mais le moment où on travaille, on oublie. Il y a quelque chose qui vient au-delà des connaissances qu'on avait. Et souvent, ces choses-là nous guident vers d'autres, et puis c'est comme ça, je continue. Moi, je fais la calligraphie comme métier depuis 1961, donc ça fait à peu près, je sais pas combien, plus d'un demi-siècle. Imaginez-vous, c'est un bateau, il y a des voiles, d'autres ils me disent non, c'est des plantes, et c'est comme ça le public il participe beaucoup plus. Quand je fais mes tableaux aux Beaux-Arts, je sens pas la même participation du public.
pour ça, j'ai opté pour la calligraphie.